Bonjour, c'est Stéphane. On se retrouve pour une vidéo réaction de match de la Ligue 1, 33e journée de match de la Ligue 1. OGC Nice, Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 1. Qu'est-ce que je peux dire de ce match? Moi, je suis content du match du PSG. Quoi. Là, on a eu une équipe Roumanie, encore une fois. On a eu le petit Zague qui a joué, qui a marqué même. Félicitations au petit jeune. Un très 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 bon match de Barcola, passe décisif et but. Après, voilà, match sérieux côté parisien. Après, on a eu ces deux grosses pertes de ballons au début du match, hein, le poteau de Nice. Et puis, après, le but de Nice, hein, qui voilà, erreur de Marquinhos, pour moi. Après, ils disent... Les journalistes avaient faute sur Marquinhos, mais voilà, c'est léger la faute, quoi, mais pour moi il n'y a pas faute, quoi, mais pour moi c'est une erreur de Marquinhos. Quoi. Après je suis très content des deux buts qu'on marque en plus. Encore c'est à peu près le même but de Nice. Hein, perte de ballon de Nice, Fabinho qui ordonne très vite à. Ah, Barcola, contrôle, frappe, qui bat Bulka, et ça fait 1-0, côté parisien. Après, deuxième but, super encore, Barcola dribble défenseur niçois, centre, et le petit Zague qui est juste devant, et qui marque son premier but, et en plus qui fait un joli match, je trouve, ce jeune parisien. Et voilà, après la deuxième période, Paris a géré. On n'a pas eu de gros. Nice n'a pas eu de grosses occasions qu'ils ont eues. Nous, on a eu une grosse occasion sur le poteau. Et puis la grosse faute des Niçois qui tue cette deuxième période. Hein. Pour moi, il y a faute, carton rouge mérité. Et voilà, quoi. Après ça, moi, je suis content encore de mon équipe. Je suis dommage que Gonzalo Ramos qui n'a pas marqué en plus il avait joué qui jouait. C'est dommage. Il n'a pas eu d'occasion. Gonzalo Ramos. Et encore c'est Barcola qui fait poteau à la deuxième période. Faut pas oublier pour moi, homme du match Barcola. Très bon match de Barcola. Et le petit Zague aussi qui a failli faire une boulette à la fin là, mais voilà, un ténace très fort en pied, Arnaud Ténace. Et voilà, ça fait plaisir de regagner. Hein, ça faisait 4 matchs qu'on n'avait pas gagné. Et voilà. Bon, moi je vais vous quitter, encore un grand merci à Paris, Roman, et voilà, le dernier match de championnat, c'est face à Metz, comme je dis, c'est encore un match pour du beurre, pour préparer le match de Coupe de France, hein, et en plus il y a eu comme un turnover encore une fois, Lucien Riquet qui fait tourner les joueurs, et voilà quoi. Allez mes amis, il reste encore 2 matchs pour la fin de la saison côté parisien. Et après on se retrouvera, inquiétez pas, pour l'Euro avec le Portugal. On fera l'Euro avec mon Portugal à moi. Et voilà. Et aussi les infos Mercato. Et je ferai aussi un bilan du PSG à la fin, je ferai un bilan. Et aussi Qui pour remplacer Kylian Mbappé? Pour moi, j'ai des cibles déjà. J'espère que Paris vont prendre ces joueurs-là. Je vous dirai les joueurs qui pourraient venir au PSG. C'est mon avis à moi. Les joueurs que je prendrai, les joueurs que je veux qui viennent à Paris. Et voilà quoi. Bon, allez, mes amis, moi je vous dis ciao. Allez, Paris. Très content de ce match, très beau match de Paris, même après cette boulette de Marquinhos. Et à part ça, voilà, on n'a pas été. C'est vrai, Nice a très bien joué quand même. Hein, ils n'ont pas joué le bus en arrière, ils ont essayé de jouer, mais nous on a été sérieux et ça fait plaisir. Voilà.
Bon, allez, mes amis, moi je vous dis ciao, ouais, à la prochaine. Je crois que le dernier match c'est samedi ou dimanche, je ne sais plus. Mais après, voilà. Allez, ciao, ouais. Allez, Paris.